Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, pour la reprise après une petite pause de Michel Midi, j'ai le grand plaisir d'accueillir un ami, ça fait bien 7-8 ans qu'on se connaît, hein, Ahmed Bensada, est un docteur en physique à l'Université de Montréal, donc c'est pas fréquent parmi nos invités. Il a été prof, chercheur, consultant pédagogique. Il écrit dans beaucoup de médias. Ses articles sont traduits dans beaucoup de langues. Vous le trouvez sur les réseaux sociaux, en arabe, en français, beaucoup. Et Ahmed a publié chez Investigation, évidemment, qui est le repère des bons auteurs, le livre Arabesque avec, oui, je vous le mets un peu bien là, $1 pour terminer Arabesque parce que, en fait, c'est un bouquin sur l'enquête, c'est une enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes. C'est-à-dire qu'Ahmed a étudié pas mal d'archives, de documents, discuté avec tout un réseau, et montre qu'en fait, il y a eu un double jeu des États-Unis qui ne soutenait pas du tout l'avènement de la démocratie dans les révoltes arabes, mais cherchait au contraire à les contrôler pour les empêcher qu'elles n'aillent trop loin, ou à les détourner, les provoquer pour justement renverser des gouvernements qui leur déplaisaient. Ce qui est très intéressant dans le bouquin, c'est qu'il montre comment des militants jeunes, des jeunes plein d'avenir, comme on disait, avaient été discrètement financés et encadrés, formés par toute une série d'organismes US qui se donnent pour tâche d'exporter la démocratie et avaient été aidés de façon très très efficace par les géants du net, Facebook, Google, YouTube et Twitter. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit encore. Donc, bien que le livre date 2015, il garde absolument toute son actualité. Et je vous le conseille, il est évidemment sur la boutique en ligne d'Investigation. Alors, d'abord, je m'excuse, parce que Ahmed, je l'ai fait souffrir, là. Vous vous imaginez que quand c'est Michel midi à Bruxelles, quelle heure il est à Montréal? Ben, il est 6h du matin. Et évidemment, on a un peu préparé après, on a préparé hier soir. Donc, si de temps en temps, vous voyez Ahmed hésiter un peu, sachez que c'est moi qui l'ai torturé et qu'il a très très peu dormi cette nuit. J'en profite pour saluer tous les amis de Montréal qui nous suivent et qui nous écoutent. Et on va entrer directement dans le vif du sujet. Après vous avoir montré la couverture du livre qu'il a publié chez nous, on va entrer directement dans le vif du sujet. Ahmed, les Juifs au Maroc, ils avaient un problème. Pourquoi est-ce qu'on a poussé à les faire aller en Israël et comment ça s'est passé en fait cette histoire? Alors, la présence des Juifs au Maroc est millénaire. C'est pas uniquement le cas du Maroc, mais aussi de tout le Maghreb. Leur présence est attestée même avant l'arrivée des Arabes dans la région. Sauf que lorsque l'État d'Israël a été créé en 1948, il y a eu tout un mouvement sioniste qui voulait, son but, c'est de coloniser la Palestine. Mmh. Et donc, partout dans le monde, et en particulier dans le monde arabe, les Juifs, malgré leur présence millénaire, ont été encouragés à quitter leur pays. Alors, pour le Maroc, c'était une grosse diaspora. On comptait donc, dans les années 40 environ 265 000 juifs marocains présents sur le sol marocain. Et donc, dès 1948, il y a eu de l'immigration bien, un petit peu et avant. Et ces gens faisaient partie donc, de la société. Ils avaient même, je crois, un rôle assez important au point de vue économique, social, culturel. Exactement, ce sont pour la plupart d'entre eux sont venus avant les Arabes et même après, quand il y a eu leur expulsion, l'expulsion des Arabes de l'Andalousie, ils sont venus s'installer en particulier au Maroc, mais aussi en Algérie, en Tunisie, etc. Donc ces gens étaient vraiment très ancrés dans la société. Ils vivaient d'ailleurs, la plupart de ces gens-là parlent couramment arabe. Et d'ailleurs, ce qui est assez cocasse, c'est que quand il y a eu la normalisation avec le Maroc, le représentant du gouvernement israélien
a parlé, les premiers mots qu'il a dit au roi Mohammed VI, il les a dit en arabe. Donc, il parle le Coran arabe, Mer bin Shabbat. Et donc, ce sont des populations qui étaient très, très bien intégrées. Sauf que le mouvement sioniste mondial a fait en sorte de les ramener. Alors, en ce qui concerne le Maroc, il y a eu, les historiens divisent cela en trois phases. La première phase, elle va de, disons, de 1948 jusqu'à l'indépendance du Maroc, donc 1956. À ce moment-là, il y avait toute une organisation sioniste qui s'occupait de leur alia, leur retour à la terre promise, comme ils le pensent. Et on estime à près 110 000 personnes qui ont été fait immigrer. Une très grande perte, donc. Une très grande perte du point de vue, en fait, du point de vue économique, du point de vue social, etc. Ensuite, après l'indépendance, donc le roi Mohammed V est remonté au trône, il est remonté sur le trône et à ce moment-là, donc de 1956, disons, jusqu'à 1961, très peu il y a eu très peu d'immigration parce que, il y avait deux choses, c'est que le roi Mohammed V se disait roi de tous les Marocains et il considérait les Juifs comme étant Marocains à part entière, ce qui était différent, en fait, de l'Algérie à cause du décret Crémieux qui avait séparé les Juifs des Arabes autochtones qu'on appelait les indigènes. Donc, les colonisateurs français étaient plus racistes que les étaient les beaucoup plus racistes. Beaucoup plus racistes, exactement. D'ailleurs, c'est un cas unique, parce que même en Tunisie, il n'y a pas eu ça. Et donc, il y a eu une séparation en Algérie absolument abominable. D'ailleurs, ce qui fait qu'actuellement, en Algérie, il n'y a plus de juifs, ou disons, il n'y en a presque plus, on ne les compte plus, parce que justement, ils sont tous partis lorsque l'Algérie a gagné la guerre contre son guerre d'indépendance. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a eu aussi que la Ligue arabe avait interdit à ses membres, ou a fortement conseillé à ses membres, de ne pas encourager l'émigration vers la Palestine, parce que ça, non seulement ça vidait les pays de leur substance, parce que ces gens-là étaient là depuis très longtemps, donc ils n'étaient pas tous riches, mais ils avaient des métiers qui étaient intéressants, etc. Et tout d'un coup, on les vidait et de notre côté, on remplissait un autre pays qui est une colonie de peuplement, en fait, comme c'était le cas en Algérie en 1830 jusqu'à notre indépendance. Donc, il y a eu très peu de personnes qui sont parties et il y avait une organisation sioniste qui était clandestine qui s'occupait de ça. Et à la mort de Mohammed V, Hassan II, son fils, est monté au trône. Il a beaucoup, beaucoup encouragé, donc il a énormément collaboré avec le Mossad pour cette émigration. Donc on compte à peu près entre 1961 et 1964, quelque chose comme 90 000 à 100 000 juifs qui sont partis. Il faisait ça avec des passeports collectifs. Et il a obtenu aussi de monnayer leur départ. C'est-à-dire, il disait, bon, vous allez partir, vous allez quitter le Maroc, mais moi, je veux de l'argent. Et certaines sources mettent des chiffres quand même assez importants. C'était un demi-million de dollars pour les 50 000 premiers. Et ensuite, c'était comme 100 dollars pour chaque juif qui partait. Et ça a été fait avec la bénédiction de Hassan II, malgré les injonctions de la Ligue arabe. Très bien, très bien. Je voudrais passer à ma deuxième question. On va parler ici du rôle qu'Israël joue au Maroc, ça va être le thème central. Or, Israël, dans la version médiatique habituelle, c'est un petit État au Moyen-Orient, qui se défend contre ses méchants voisins, etc. Mais en réalité, on voit qu'Israël est un État très actif, non seulement dans le monde arabe, mais aussi en Afrique, en Amérique latine, la collaboration avec des régimes, des barbouzes, des collaborations avec des milices d'extrême droite. Qu'est-ce qui fait qu'Israël a une politique internationale tellement active et dynamique, on va dire?
En fait, ça a commencé depuis le début de la création d'Israël. David Ben-Gourion avait proposé une espèce de politique qui s'appelle la politique de la périphérie, c'est-à-dire essayer de voir au-delà des pays qui sont directement impliqués dans le conflit israélo-palestinien, c'est de voir des allégeances, c'est-à-dire voir les autres pays, comme par exemple, il y a eu des accords très important avec l'Iran du Shah, par exemple. Il y a aussi des accords avec la Turquie, ou alors des accords avec des pays africains. Nous savons maintenant que, par exemple, que Israël a une base très importante qui est dans les îles de Dahlak, dans l'archipel qui appartient à l'Érythrée, par exemple, qu'elle a des armes, etc., et qu'elle peut même, des spécialistes ont montré que elle pouvait aussi lancer des missiles directement de ces Ils bases-là. ont, ils Donc, ont eu, pardon, ils ont eu aussi des très bonnes relations avec le régime raciste d'apartheid en Afrique du Sud. l'apartheid, exactement. Mais vous savez, ils ont des relations. Par exemple, ce qui est assez étonnant, c'est que vous voyez, par exemple, actuellement, au Kazakhstan, il y a eu beaucoup d'émeutes. Eh bien, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais le logiciel Pegasus, qui a servi qui s'est espionné, a été aussi vendu au Kazakhstan. Et il a été vendu à l'Azerbaïdjan, il a été vendu au Maroc. Le Maroc a espionné l'Algérie pendant plusieurs années. Donc la politique d'Israël, c'est de convaincre les pays limitrophes qui sont en périphérie du conflit de leur existence. Et il y avait en fait... Il y avait trois groupes de pays, donc les pays dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des pays qui n'avaient rien à voir avec, qui n'étaient pas nécessairement musulmans ou pas nécessairement arabes, mais aussi il a ciblé des entités à l'intérieur des pays, des entités qui pouvaient poser problème. Par exemple, vous avez les Kurdes, par exemple, en Irak, qui ont été approchés depuis très longtemps, et on a vu qu'il y avait une très grande collaboration entre les Kurdes d'Irak et Israël. Actuellement, en Algérie, nous savons par exemple que le mouvement de séparatistes kabyles a une relation très forte avec Israël, et ils défendent leur position, et même le responsable de cette organisation qui s'appelle le MAK, qui est parti déjà en Israël. Donc, Et tout ça se vous avez fait aussi... aussi en collaboration avec les États-Unis, qui ont, on a déjà parlé dans d'autres Michel Midi, une politique pour utiliser ou exacerber des contradictions au sein d'un pays, utiliser différentes minorités contre le pays. Donc Israël et les États-Unis font un peu le même genre. Exactement, ben, c'est la doctrine de Yenon, la doctrine d'Oded Yenon, qui a été théorisée dans les années 80 et qui cherche justement à créer des conflits, à balkaniser les pays arabes pour mieux les contrôler. Vous avez par exemple un exemple qui est patent, l'exemple du Soudan. Le Sud-Soudan a été très très encouragé, armé par Israël. Et lorsque, en 2011, lorsque le Sud-Soudan a eu son indépendance, ben, le premier voyage du président à l'époque s'est fait en Israël. Donc, il y a là une explication en fait de ce qu'on disait, c'est-à-dire du rôle d'Israël dans la région, c'est-à-dire à chercher à casser des pays et aussi à s'implanter, à avoir une espèce d'hégémonie dans le coin, bien sûr, aidé par les États-Unis. Alors, on va entrer dans le vif du sujet avec une petite vidéo d'une télé très très officielle, I24, qui raconte en fait comment cette coopération Maroc-Israël a démarré en 65-67. Écoutez, ça dure 2 minutes et demie. Et écoutez, après, je demanderai à Ahmed de nous expliquer ce que vous allez voir et qui est assez choquant, je préviens. Voici la... Bonjour.
Bonjour à tous, bienvenue, édition spéciale du Mag-Orient consacrée entièrement aujourd'hui au cinquantenaire de la guerre des six jours. Une guerre éclair que les Arabes ont baptisée Naksa, le revers en arabe. Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Uzi Narkis, autant de noms associés à la victoire militaire israélienne en 67. Mais si je vous disais que le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Johanna Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc ? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des six jours. Alors, tout commence en 1965, on est deux ans avant que débute la guerre des six jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le troisième grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors, dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence ? Il déclare à Assouan en février, l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc, quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe, avec cette question, sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël ? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, ils s'appellent à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes ? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leur faiblesse. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des six jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix ? Qu'est-ce qui l'a motivé ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba Batra aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des six jours, même si, on le voit bien, aucun cas. Voilà donc, Ahmed, des révélations qui font qu'on peut parler d'une véritable trahison des dirigeants du Maroc, du dirigeant du Maroc à l'égard de la cause palestinienne et de la cause arabe en général. Ce document contient deux indications très importantes. Un, Israël a trempé dans l'assassinat du dirigeant d'opposition de gauche Ben Barka, qui s'est perpétré en France. On connaît le rôle des services français sous De Gaulle là-dedans, mais on ne parle pas tellement du rôle d'Israël là-dedans. Ils ont joué un rôle important ? Exactement. Donc, pour revenir à la vidéo, en 1965, il y a eu un sommet arabe à Casablanca et les dirigeants arabes étaient présents, c'est un sommet de très haut niveau. Et Hassan II, qui avait
beaucoup collaboré avec le Mossad dans les migrations des Juifs marocains vers Israël, avait des relations, avait toujours des relations avec le Mossad. Donc, Israël a négocié le fait que le dernier étage de l'hôtel, donc l'hôtel qui s'appelait Casablanca dans ce temps-là, Hayat Regency, tout l'étage était équipé de micros et le Mossad devait venir. Sauf que la veille ou l'avant-veille, quelques jours avant le sommet, Hassan II avait pris panique et il a dit « ne vous en faites pas, nous allons tout enregistrer et nous allons vous donner… » Et c'est ce qui s'est passé, tous les discours, toutes les discussions ont été enregistrées et ont été données le lendemain de la réunion. Et la plupart des spécialistes disent que les renseignements qu'ils ont eus, donc que c'était en 1965, donc c'était environ un an et demi avant la guerre de six jours, la guerre de 1967, et grâce à ces renseignements, ils ont certainement la chance de les utiliser pour gagner. Oui, je me souviens, dans ma jeunesse, on a dit c'est formidable, Israël, quand même, quel génie militaire. D'une part, il y avait les armes offertes par la France, et d'autre part, il y avait la trahison de Hassan II, qui a donc joué un rôle très important dans cette victoire. Exactement, une très grosse trahison. Et donc, la contrepartie de cette trahison, cette collaboration Hassan II avec le Mossad, c'était de d'éliminer Bambarka. Donc Bambarka est un militant de gauche très connu, de très grand calibre. Les gens ne s'en rappellent pas maintenant, mais c'était un tiers mondialiste, c'était un africaniste. Et il discutait avec les plus grands du monde dans ce temps-là. Et il s'est pris, en fait... Dans ses réflexions, dont il était anti-français parce qu'il militait pendant que la France, le protectorat français. Donc il était très mal vu par les Français de toute façon. Et ensuite, il s'est brouillé avec Hassan II et il a quitté le Maroc et s'est installé en Algérie et après dans d'autres pays. Et donc, on lui a tendu un piège. Il est venu à Paris rencontrer quelqu'un, mais en fait le Mossad l'a suivi, l'a piégé, et l'opération a un nom juif qui fait référence au Talmud, ça s'appelle Bava Batra, l'opération Bava Batra, très connue. Et donc il a été kidnappé par les gens du Mossad, et ils ont collaboré aussi avec les Français. De toute façon, Bambarka, c'est comme le crime de l'Orient Express, en fait. Il n'y a personne qui l'aime, que ce soit les Français, donc il était considéré comme l'ennemi numéro un des Français pendant le protectorat. Ensuite, Bambarka a été contre l'émigration des Juifs marocains, parce qu'il considérait que c'était une colonie, l'Israël était une colonie de peuplement, il ne fallait pas qu'ils aillent. Donc, il était contre ce que faisait Hassan II. Et finalement, bien sûr, le fait qu'il soit le principal opposant à Hassan II, il s'est fait éliminer. D'ailleurs, on cherche toujours son corps, et on ne sait même pas où son corps est. Et c'est une très grosse disparition. C'est-à-dire, c'était quelqu'un de très... c'est un gars d'une très grande intelligence. Pour situer le contexte, excuse-moi, on est au moment de la décolonisation en Afrique. On est au moment où naît le mouvement des non-alignés, avec la réunion de Bandung, dont mon ami Saïd Bouamama a déjà parlé. Et à ce moment-là, face au colonialisme qui essaye de se maintenir et qui va assassiner Bambarka, qui va assassiner Lumumba, qui va assassiner énormément de dirigeants noirs en Afrique, Moyen-Orient aussi d'ailleurs, on a le besoin d'unifier les révoltes et d'être plus fort en mettant vraiment à la porte les colonialistes occidentaux pour qu'ils ne reviennent pas par la fenêtre non plus. Et donc des gens comme Bambarka étaient dangereux. Je vais donner la parole tout de suite, mais je vais faire une remarque sur deux interventions sur Facebook qui ne me plaisent pas.
Michael parle, à propos des Juifs et de ce que tu as dit, un sous-peuple de traîtres depuis l'Andalousie. Michael, ce genre de réflexion raciste n'a pas sa place dans Michel Midi parce que nous critiquons des dirigeants pour la politique qu'ils suivent. Et donc, dans le cas d'Israël, nous critiquons les dirigeants sionistes qui sont racistes, qui sont des colonialistes et qui font d'ailleurs du tort aux Juifs aussi, ça c'est ma conviction. Mais jamais nous n'allons parler d'un peuple de traîtres. Nous n'acceptons pas cette expression. Vous n'êtes pas à votre place dans Michel Midi avec ce genre de réflexion. Et Aziz est en train d'attaquer notre invité avec des épithètes, un panarabiste qui dit n'importe quoi, l'idéologie arabiste, etc. Aziz, je vais vous dire, je vous demande d'écouter les choses qui sont dites. Ahmed va parler avec des faits. On ne parle pas ici avec des épithètes et des insultes et des choses en l'air. Il y a des faits très précis. Hassan II a collaboré avec Israël, oui ou non, voilà une chose claire. Et les Arabes ont-ils intérêt, et tous les peuples du monde arabe ont-ils intérêt à s'unir, le monde arabe et musulman en général, ont-ils intérêt à s'unir contre les États-Unis, l'Europe, etc. C'est de ça qu'on parle sur base de faits. Donc je vous demande de laisser vos épithètes au vestiaire et de laisser, de permettre à chacun de juger sur les faits. On a parlé des événements de la véritable trahison de 65-67. Est-ce que le Maroc a continué à jouer un rôle dans les années, les décennies qui ont suivi, en soutien d'Israël et donc contre les Palestiniens? Je parle du Maroc officiel, hein. Je ne parle pas des populations marocaines qui ont souvent manifesté leur sympathie avec le peuple palestinien, mais le Maroc officiel, c'est vraiment un allié durable pour Israël? Alors, avant de répondre à ta question, j'aimerais juste mettre au clair certaines choses. Parce que quand on parle du problème israélo-palestinien, il y a beaucoup d'émotions, etc. Nous ne parlons pas des peuples, nous parlons des dirigeants. Nous avons, les peuples sont tous solidaires en général, dans leur grande majorité, pour les causes justes. Et donc, et autre chose, dans quelques jours, je vais publier un article où tout ce que j'ai dit maintenant va être référencé, donc je pourrais même donner les références pour que les gens puissent aller vérifier d'eux-mêmes. Très bien. Alors, la collaboration a continué, bien sûr, a continué. Et d'ailleurs, une des collaborations qui est très peu connue, c'est la collaboration du Maroc officiel, on va dire, de Hassan II, dans les accords de Camp David. En fait, ça a été... Il faut rappeler qu'est-ce que c'est les accords de Camp David, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous regardent aussi. Donc, ça va passer beaucoup de temps, c'est vrai qu'on devient vieux. Alors, les accords de Camp David, ce sont des accords qui ont permis la normalisation des relations entre le plus grand pays arabe dans ce temps-là, c'est-à-dire l'Égypte, et qui était le géant arabe. Donc la normalisation entre ce pays et Israël. Ça a été vraiment un coup de tonnerre dans le monde arabe. D'ailleurs, l'Égypte a été exclue de la Ligue arabe dans ce temps-là. Et normaliser, que le plus grand pays arabe normalise avec Israël, c'était reçu comme étant une trahison. Mais qui est mieux placé que Sadat, donc le président égyptien qui avait normalisé ses relations, c'est Hassan II, parce que Hassan II avait des relations qui n'ont jamais cessé avec Israël. Donc les premiers contacts ont été faits au Maroc entre le Mossad et Hassan II, et les premières réunions ont été faites à Casablanca. Le chef du Mossad est venu rencontrer Hassan II. Ensuite, il y a eu des visites de très haut niveau qui, en 1977, par exemple, Isaac Rabin est venu. Moshe Dayan est venu sans son... On a des photos ici que je montre à nos spectateurs. Hassan II, très souriant avec Shimon Peres, qui était donc un des grands dirigeants à l'époque du sionisme. On a aussi Hassan II avec Peres et Rabin. Donc, c'est des rencontres juste protocolaires ou ça a vraiment joué un rôle important?
Les rencontres qui ont eu lieu donc avant 1978, la date des accords de Camp David, ont été des réunions qui étaient très importantes parce que elles ont permis de tisser les liens entre les dirigeants israéliens et les dirigeants égyptiens. Et ça s'est passé au Maroc sous la bénédiction de Hassan II. Et donc, des dirigeants de très haut niveau, d'ailleurs, on n'a pas de photos, mais il y a des livres qui sont sortis d'anciens du Mossad qui disent que, par exemple, que Moshe Dayan, l'ancien ministre des Affaires étrangères, dans ce temps-là, était venu camouflé d'ailleurs. Et même, il y a une petite anecdote, c'est que Rabin est venu avec une perruque blonde, l'histoire de la perruque blonde de Rabin. Donc, ce sont la collaboration du Maroc a été extrêmement importante pour que les négociations aboutissent. Autre chose, dans les années 90, le Mossad a collaboré avec le Maroc, donc les dirigeants marocains, pour l'élimination, ça c'est très peu connu, pour l'élimination de Ben Laden, par exemple. Mais cette fois-ci, ça n'avait pas abouti. Les relations, donc, il y a eu durablement des relations secrètes entre le Maroc et Israël. C'est une constante, il n'y a pas de... Ça a été une constante sous Hassan II, et je pense que sous son fils, c'est la même chose, parce que son fils suit une politique qui ressemble beaucoup et peut-être qui est beaucoup plus agressive que son père. Parce que l'on veuille ou non, les relations entre le Maroc et Israël pendant le règne de Hassan II se faisaient en coulisses et pas ouvertement. Alors que maintenant, on le voit, c'est ouvert. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en parler plus tard, mais les relations actuelles sont au grand jour, mais aussi d'un tout nouveau C'est une calibre. grande idylle, hein. Tu as évoqué l'affaire Pegasus. Est-ce que c'est significatif? Donc, ce sont des logiciels fabriqués en Israël et qui permettent à beaucoup de gouvernements d'espionner les citoyens. Ça joue un rôle important? Alors, ça joue un rôle important parce que, en fait, Pegasus Pardon. a été élaboré par une compagnie qui s'appelle NSO. Et cette compagnie ne vend les logiciels qu'avec l'assentiment du ministère des Affaires étrangères israélienne. Et même en fait, on ne peut pas vendre ce genre de logiciel si le gouvernement israélien ne donne pas son accord. Donc c'est très important. Donc il faut avoir des relations assez importantes pour qu'on puisse obtenir ce genre de logiciel. Et puis le Maroc a obtenu, ça fait un grand scandale il y a quelque temps, a espionné des hauts dirigeants français, par exemple. Il paraît que même Macron a été espionné. Mais en Algérie, il y a eu 6 000 numéros de téléphone qui ont été espionnés, dont le chef d'état-major de l'armée algérienne, les ministres, les journalistes, les opposants. Tout le monde a été. En Algérie, c'était 6 000 sur 10 000. Donc c'est 60% des numéros qui ont été espionnés sont été algériens. Donc 60% de l'espionnage était dirigé vers l'Algérie. Donc ça donne une idée de la. Et ça, c'était entre 2017 et 2020, 2021. Oui. Alors, on a deux questions intéressantes. On a Toufik qui dit, j'imagine que vous avez des preuves de tout ce que vous dites, l'enregistrement par exemple. Quel enregistrement Je il parle? parle de l'espionnage des enregistrements de la Réunion au Maroc qui ont été transmis à Israël. Bien sûr, il y a un livre qui a été écrit par un Israélien qui dit ça. D'ailleurs, la Tu te chaîne souviens du Israël nom et est de une chaîne. l'auteur pour... Je ne l'ai pas en mémoire, mais je On va le pourrais. mettre tout à l'heure On sur Facebook va le mettre. pour les intéressés, oui. Voilà. Parce que, en fait, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits par des anciens du Mossad et qui révèlent ce genre de choses. C'est des choses qu'on ne savait pas. Par exemple, on ne savait pas que Hassan II avait trahi.
Sinon, ça aurait été du temps de, disons, du temps des de Nasser, et ça aurait été très grave. Voilà, donc en Israël, c'est connu et documenté. Tu n'es pas en train de nous c'est faire une révélation, c'est quelque chose qui est déjà prouvé. Et même la vidéo qu'on a vue, c'est une chaîne israélienne. I24 est une chaîne israélienne. Voilà, donc ça, c'est la réponse à Toufik. Hakim pose une question intéressante aussi. Il dit, pourquoi, à partir de 1961, Hassan II se comporte-t-il aussi différemment des autres chefs d'État arabes? Pourquoi? Alors, c'est très difficile à dire, mais disons que il y avait, on a vu que, par exemple, il y avait un mouvement, tu en as parlé tout à l'heure, du temps de Bamarka, dans les débuts des années 60, il y avait une forte décolonisation et il y avait un fort sentiment de mettre à bas toutes les monarchies. Et beaucoup de monarchies ont sauté dans ce temps-là. Et à mon avis, et ça c'est mon avis propre, Hassan II voulait conserver son royaume, il voulait conserver sa couronne, et donc il a collaboré avec Israël, et probablement aussi parce que Israël, parce qu'il voyait le voisin à côté, c'est-à-dire l'Algérie qui avait pris son indépendance et qui avait créé une république. Donc la hantise de Hassan II, c'était ça. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs que Hassan II a essuyé à plusieurs coups d'État et il s'en est sorti indemne, mais il y a eu des révoltes. Oui, je me souviens, j'ai commencé à militer dans les années 70 et il y avait une contestation populaire, sociale, progressiste, assez radicale. Et justement, dans la foulée de la décolonisation, beaucoup de Marocains voulaient un régime où les richesses du Maroc allaient profiter aux Marocains et pas seulement à la famille royale et à quelques élites. Donc en fait, c'est un régime faible qui a besoin d'alliés pour se protéger brutalement. Exactement, exactement. Par exemple, on se souvient aussi de la République du Rif, par exemple, où le Rif voulait se détacher du Maroc pour créer une république. Donc, le régime était le régime marocain après l'indépendance faisait face à un contexte historique qui n'était pas favorable. Et si on regarde, par exemple, les monarchies, en Afrique du Nord, toutes les monarchies ont disparu. La seule monarchie qui reste, c'est la monarchie alaouite, la monarchie du Maroc. Alors, excuse-moi, Ahmed, mais on a toute une série de questions intéressantes qui viennent, et je vais donner la parole au public aussi. Johnny nous dit, pourquoi ce choix d'afficher cette normalisation Maroc-Israël au grand jour, est-ce qu'il y a un message derrière tout ça? Et je vais montrer une ou deux images qu'on a préparées sur la normalisation. La première, c'est pas le Maroc, mais c'est Trump que vous reconnaissez au milieu, avec Netanyahou dans les jardins de la Maison-Blanche. Et le bonhomme à droite, c'est donc un ministre du Bahreïn, qui a été le premier pays arabe à normaliser. Et j'ai une autre photo que je montre tout de suite. On voit Jared Kushner, donc le beau-fils de Trump, avec un ministre israélien, et là avec un représentant marocain de l'autre côté. Donc, en fait, il s'affiche ouvertement, et Johnny se dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne reste pas plus discret? Donc, il y a le contexte international est très important dans ce genre d'événements, qui sont des événements très, très importants. Vous avez, par exemple, pourquoi le Maroc a normalisé? C'est parce que Trump a mis comme cadeau de la normalisation la reconnaissance du Sahara occidental. Donc, le Sahara occidental est un territoire qui était occupé par l'Espagne et c'est un territoire qui est peuplé, qui a une population des Sahraouis qui se sont battus contre l'Espagne. Et lorsque l'Espagne est sortie,
Le Maroc a déclaré que ce territoire lui appartenait. C'est un problème de frontières comme on en voit partout dans le monde. Ce problème a été soumis à l'ONU et on devait faire un référendum qui n'a jamais été fait. Et donc en 1975, lorsque l'Espagne est sortie, le roi Hassan II a fait ce qu'on appelle une marche verte pour occuper ce territoire. Ce territoire est à sa majorité occupé par le Maroc actuellement. Et donc, mais ça reste toujours une tension. Pourquoi? Parce que il n'est pas reconnu internationalement. Et Trump, le fait que Trump le reconnaisse, ça donne un cadeau important. Un cadeau très important. Et surtout que, en fait, l'Algérie soutient le Sahara occidental, pas pour des raisons d'hégémonie territoriale ou quoi que ce soit, c'est que l'Algérie a été toujours pour les mouvements de libération. Donc c'est une constante. C'est une constante dans la politique algérienne d'être, par exemple, ne pas normaliser avec Israël. Je rappelle aux auditeurs aussi que durant les années, j'avais dit que Ben Barka était à Alger dans les années 60, mais dans les années 60, il y avait Mandela qui venait, il y avait tous les révolutionnaires du monde entier qui venaient à Alger. Alger était surnommé la Mecque des révolutionnaires. Donc c'est cet ADN de l'Algérie qui est resté et on lui prête des allégations de territorial, mais en fait, ça n'est absolument rien. L'Algérie cherche à ce que le problème soit résolu par l'ONU. Une fois que l'ONU aura pris sa décision, ben l'Algérie acceptera. Voilà, je signale que notre prochaine émission, mardi prochain, c'est avec Pierre Galland, une des personnalités anticoloniales les plus estimées en Belgique, qui nous parlera de la question du Sahara occidental, donc on ne va pas l'approfondir maintenant. Comme on a eu un peu des doutes, je ne sais pas si ce sont des gens qui ont beaucoup de sympathie pour le régime marocain ou quoi, mais qui ont émis des doutes sur ce qu'on disait, il y a en tout cas des images qui prouvent qu'en Israël, on sait qu'on doit avoir beaucoup de reconnaissance envers Hassan II et le régime du Maroc. Je vais montrer ici une place Hassan II. Je vais montrer une promenade Hassan II. On a aussi une avenue Hassan II avec un monument pour célébrer cette amitié. Et Israël a même édité un timbre en hommage à Hassan II. Donc ça, c'est quand même un peu des indices qu'en Israël, en tout cas, on n'a aucun doute qu'on lui a une reconnaissance éternelle. Ahmed. Exactement. Donc, Hassan II est considéré comme un très grand ami d'Israël et on le rend bien. Et donc, sa mémoire est honorée, ainsi que celle de son père. Quoique son père n'a pas été n'a pas aussi collaboré que son fils, mais il est considéré comme un juste. Et même récemment, lorsque le ministre de la Défense israélien est allé visiter le Maroc, il est allé sur sa tombe pour dire que c'est injuste parce qu'il avait protégé les Marocains durant le régime de Vichy. Oui, il y a beaucoup de visites. Hein. Il y a le ministre, il était ministre de la Défense, Benny Gantz, il va devenir premier. Donc, en novembre, Yair Lapid aussi, au mois d'août. Donc, la collaboration est assez intense. Alors, la collaboration est absolument exceptionnelle. On n'a jamais vu deux ministres de très haut niveau qui visitent le pays avec qui il a normalisé avant. Donc, si on regarde les autres pays, ça ne s'est pas passé de cette façon-là. En plus, ce qui est très important, c'est que les lignes aériennes ont été ouvertes, mais aussi il y a des accords qui ont été signés, des accords de coopération militaire, de formation, de vente d'armes, de vente de drones, de collaboration dans la cybersécurité, etc. Et ça a été annoncé en grande pompe pour montrer en fait que la normalisation avec le Maroc est avec quelque chose d'exceptionnel. Parce que en fait, tout ce qui concerne le Maroc et Israël est exceptionnel par rapport au poids démographique des Juifs marocains. Et ils sont actuellement, je pense, autour de 800 000 à 1 million en Israël. Je parle des Marocains et de leurs descendants.
Et donc, ils étaient, donc ils représentent la plus grosse communauté après celle, la communauté russe en Israël. Et ils étaient, je l'ai dit tout à l'heure, dans les années 40, ils étaient autour de 265 000, ce qui représentait la plus grande communauté juive dans les pays arabes et islamiques. Mmh. Donc vous voyez, c'est assez grand. Donc le poids démographique fait en sorte que il y a, même si c'était des séfarades et que les séfarades au début n'étaient pas acceptés, n'avaient pas... oui, il y a quand même un peu de racisme entre les catégories d'Israéliens nobles. Par exemple, dans l'avant-dernier gouvernement, donc celui de Netanyahou, il y avait quand même 10 ministres d'origine marocaine, qui étaient le tiers du gouvernement. Donc, et là, il y a une reprise, une grande reprise de cette communauté dans le domaine aussi bien culturel que politique en Israël. Alors, Michel Semour a signalé à Montréal, un ami que je salue, signale que si on veut se documenter sur Pegasus, il y a un documentaire de Laura Poitras, où c'est Edward Snowden, pardon, qui fait la narration. Ahmed, je propose clôturer en évoquant justement les relations Maroc-Algérie. Est-ce que, elles ne sont pas excellentes, on le sait, ça a l'air même de s'aggraver, est-ce que l'ingérence d'Israël dans le Maghreb a un impact et a des conséquences sur justement la détérioration de ses relations avec l'Algérie? Alors, cette normalisation a des conséquences très graves, pas juste graves, mais extrêmement graves, pour la simple raison que ce soit le gouvernement ou le peuple algérien sont extrêmement opposés à toute normalisation avec Israël. Ça aussi, ça fait partie de l'ADN algérien. Et donc, le fait de ramener Israël sur les frontières algériennes, ça ne plaît pas ni aux Algériens, ni au gouvernement algérien. Et donc, ça crée une grosse tension. Surtout que le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il est venu l'été dernier au Maroc pour sa première visite, M. Lapid, et il a fait une déclaration très belliqueuse contre l'Algérie. Et donc, il l'a accusé de collaborer avec les forces du mal, de collaborer avec l'Iran, etc., qu'il considère comme étant un pays qui n'est pas de leur côté. Et donc, ce qui a beaucoup irrité les autorités algériennes, d'ailleurs, qui ont les relations diplomatiques, ont été interrompues entre les deux pays. Il n'y a plus de relations diplomatiques entre les deux pays, ce qui prouve que cette normalisation entre Israël et le Maroc est très néfaste. Alors, pour comprendre cela, il faut dire que, en fait, le Maroc et l'Algérie ont deux divergent beaucoup. Le Maroc est pro-occidental, pro-américain, et l'on le voit maintenant avec le pro-israélien, alors que l'Algérie a choisi une option beaucoup plus socialiste dans ses débuts, etc. Donc elle a plus des relations avec la Russie, la Chine et ces pays-là. Donc ce dont il faut avoir peur actuellement, c'est une dégradation des relations et peut-être probablement le risque d'un conflit régional. Un risque de guerre, donc, carrément, ça pourrait arriver. Un risque de guerre, carrément, entre les deux, parce que je signale que trois citoyens algériens ont été tués il y a quelques mois par des drones que les Algériens ont dit qu'ils étaient marocains. Donc, il y a des escarmouches qui risquent de se transformer en guerre, et l'Algérie n'acceptera jamais qu'une base militaire israélienne soit construite sur ses frontières. Donc, et là, ce qu'on voit, en fait, c'est une espèce de guerre froide par procuration au niveau entre l'Algérie et le Maroc. Et vu les capacités militaires
algériens qui sont beaucoup plus importantes que celles du Maroc, le fait que le Maroc est normalisé, ça la conforte parce qu'elle peut avoir une aide logistique en termes d'armement ou de renseignement, etc. Donc, cette normalisation est très néfaste pour la région, probablement pour le Maghreb en général, mais aussi pour toute la région. Bien, bien. Je regarde en même temps sur Facebook où je vois que 2-3 représentants du régime marocain, sans doute avec des pseudos, notamment un certain Mohamed de la Vega, nous dit « on préfère travailler avec Israël que l'Algérie ». Bon, voilà, c'est clair. Je rappelle pour cette personne que Israël est un régime colonial d'apartheid, raciste, basé sur le vol de la terre, qui a été condamné en son temps par l'ONU, et sur lequel on a publié à investigation plusieurs livres, dont Israël, parlons-en, aussi le livre d'une personnalité juive d'Israël. Donc, je vous engage à arrêter un peu d'insulter là, les intervenants. Nous aurons une intervention, je l'ai dit, sur le Sahara occidental. Tout le monde est le bienvenu, mais il faut se baser sur les faits et pas sur des épithètes et des insultes. On a une série de questions très intéressantes qui sont posées, mais on n'a plus beaucoup le temps. Quelqu'un demandait, Ahmed, est-ce que, comme le Maroc communique tout à Israël, est-ce qu'il risque pas d'être expulsé de l'Union arabe ? Alors, la Ligue arabe ne veut plus rien dire maintenant. C'est vraiment une espèce de fourre-tout. Nous avons vu qu'en 1979, lorsque l'Égypte a normalisé ses relations avec Israël, a été expulsée. Maintenant, si on expulse tous les pays qui ont normalisé avec Israël, il n'y aura plus de Ligue arabe, vous comprenez. Le prochain sommet de Ligue arabe se passera à Alger. Un des buts, ce serait de ramener la Syrie qui a été expulsée de la Ligue arabe, de la ramener dans le giron de la Ligue arabe. Et ça pose énormément de problèmes parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont contre. Et donc, je pense que la Ligue arabe devrait être complètement repensée revoir, parce que en fait la oui, Ligue arabe, excuse-moi Ahmed, parce que le Maroc c'est vraiment une trahison assez ouverte, mais beaucoup de gens me disent oui, les autres régimes arabes en général ils sont en parole contre Israël mais ils font pas grand chose. Exactement, mais ce que je veux dire, c'est que même la Ligue arabe ne fait rien pour les Arabes, en fait. Vous vous souvenez, par exemple, lorsque la Libye a été attaquée et qu'elle a été complètement détruite, c'était avec l'assentiment de la Ligue arabe. Vous avez, par exemple, en Syrie, on sait très bien que des pays arabes ont collaboré avec les terroristes de Daesh, etc. Ils les ont financés. Donc, une ligue arabe avec des membres de la ligue arabe qui se liguent contre d'autres pays arabes, ça ne sert absolument à rien. Et puis, quelles sont les avancées du point de vue culturel, du point de vue économique qu'il y a eu depuis la création de la ligue arabe? Donc, vous comprenez, c'est un groupe de pays qui ne fait rien pour ses membres. Pour une dernière question, Ahmed, est-ce que tu penses que justement, si on compare le monde arabe et l'Amérique latine, je vais dire, avec des dirigeants comme Chavez, Evo Morales, Lula, Kirchner, etc., qui ont commencé à organiser une union de l'Amérique latine avec des accords économiques, politiques, culturels, sociaux, sanitaires aussi, pour essayer d'être plus forts ensemble pour résister aux États-Unis. On a vu que les États-Unis alors ont commencé à lancer des coups d'État qui ont parfois réussi et parfois échoué, comme en Bolivie, et que donc ça le dérange beaucoup. Est-ce que ça pourrait être une inspiration pour le monde arabe de faire un peu comme l'Amérique latine en s'unifiant pour vraiment servir les intérêts des populations? Mais c'était le but de la Ligue arabe au départ, avec les Nasser, les Boumediennes, etc. Donc c'était ça, il y avait tu as cité des noms. Actuellement, on ne peut pas citer de noms de ces gens qui étaient pour
une union. On se rappelle que le contexte n'est plus pareil. Et aussi, autre chose aussi, c'est que la Ligue arabe a été noyautée. Tous les royaumes, ou presque, du Golfe ont collaboré, ont normalisé avec Israël. Et donc, on se retrouve avec une scission de membres, en fait, des royaumes qui ont collaboré, qui collaborent ouvertement ou pas ouvertement. Il y en a qui collaborent, mais qui n'ont pas encore normalisé. Et de notre côté, on a des pays qui sont dans le front du refus, comme l'Algérie ou la Syrie ou la Libye d'antan. Et ceux-là, ils ramassent des tentatives de coup d'État pour justement les faire changer. Et ceux-là sont visés. L'Algérie, ça fait presque 3 ans maintenant qu'il y a un Hirak. L'Algérie, dans les années 90, il y a eu une guerre civile atroce où on a perdu 200 000 citoyens. Donc, ces pays-là qui ne veulent pas normaliser avec Israël ou qui ne veulent pas céder leur souveraineté sont la cible de révolutions colorées, etc. Donc, j'ai écrit d'ailleurs un livre en 2020 sur le Hirak et comment le Hirak a été noyauté par les mêmes organismes d'exportation de la démocratie que j'avais cité dans mon livre Arabesque qu'on a écrit ensemble. Oui, c'est vrai, les mêmes méthodes se reproduisent. Bien, écoute, je pense que Ahmed, tu as apporté énormément de faits concrets qui permettent à chacun de réfléchir, et notamment à la jeune génération qui ne connaît pas toute cette histoire. Cette histoire est absente des manuels scolaires. Il suffit de voir combien d'années il a fallu attendre pour qu'on parle du massacre des Algériens à Paris en 61 et toutes sortes de choses qui sont vraiment occultées. Donc, très brièvement, un message d'espoir quand même et de conclusion. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Ça peut changer? Alors, moi je pense à une Ligue arabe des peuples, parce qu'il y a un grand gap, une grande cassure entre les dirigeants arabes et leurs peuples. Par exemple, au Maroc, les dirigeants ont normalisé, mais les peuples n'ont pas normalisé. Prenez par exemple le gars de l'Égypte que je connais très bien. L'Égypte a normalisé avec... ça fait des années et des années. D'ailleurs, ça n'a rapporté absolument rien du tout à l'Égypte, à part le territoire, le Sinaï. Mais si vous parlez aux Égyptiens, ils n'ont jamais normalisé avec les Israéliens. Il n'y a pas de normalisation de peuple. Prenez par exemple le cas de la Mauritanie qui avait normalisé en 1999. Lorsqu'il y a eu les bombardements sur Gaza en 2009, il y a eu rupture et le président de l'époque, donc qui vient d'être remplacé actuellement, a rasé au bulldozer l'ambassade israélienne. Donc, il n'y a pas de normalisation des peuples. Et tant qu'il n'y aura pas de normalisation des peuples, il ne peut pas. Israël aura toujours des problèmes parce que le problème d'Israël n'est pas un problème arabe, n'est pas un problème de religion ou d'islam, etc. C'est un problème humaniste. C'est une terre qui a été prise, confisquée à des gens qui habitaient là, et ça ne peut pas passer. Et ça ne passera jamais. C'est pour ça que nous avons des pays arabes qui normalisent avec Israël. Et nous avons des pays d'Amérique du Sud qui sont très loin géographiquement, culturellement, etc. et qui ne normalisent pas avec Israël. Et donc, c'est un problème humaniste qui doit rester humaniste. Et c'est un problème qui est juste. Et c'est pour cela que on se bat pour que la Palestine ait un État. Voilà, on en revient aux choses fondamentales. Merci Ahmed. Je donne rendez-vous à nos spectateurs justement sur la question du Sahara occidental. Mohamed VI, dit-il la vérité, avec Pierre Galland. Ensuite, Inès Olloudet nous parlera des élections au Brésil qui s'approchent. Est-ce que Lula va revenir au pouvoir, Bolsonaro? Est-ce qu'il y a des autres candidats? On abordera le Liban, un pays qui souffre énormément, qui veut contrôler le Liban, avec Rudolf El Carré. Donc, vous voyez que on peut peut-être pas beaucoup voyager pour l'instant à cause du Covid, mais avec Investigation, on voyage, on visite le monde, on essaie de justement voir
qu'est-ce qui se passe, et le dessous des cartes, effectivement, le dessous des discours officiels. Tout ça, évidemment, ça demande un travail, ça demande des moyens pour investiguer, pour réaliser des émissions comme celle-ci. Et donc, je rappelle à ceux qui nous suivent aujourd'hui qu'InvestiAction est en train de lancer une campagne de soutien financier pour embaucher un nouveau journaliste pour augmenter notre travail d'investigation, de recherche, de présentation sur ces choses-ci. Je vais vous demander de regarder la petite vidéo qui dure 2 minutes et dans laquelle j'appelle à soutenir l'embauche de ce journaliste. Ahmed, un tout grand merci et mes meilleurs voeux pour ton travail. Merci. Voici, à mardi prochain. Vous êtes nombreux à nous dire combien InvestiAction vous est utile, mais est-ce que nous en faisons assez pour vous ? Je pense que non. Certes, nous avons analysé les stratégies de l'Empire US, Monopoly sur l'OTAN, la stratégie du chaos, USA-Chine, stratégie de la France-Afrique, le manuel de Saïd Bouamama, chasseur de matières premières, stratégie du colonialisme belge, l'ascension de Mobutu, meurtre au Burundi. Nous sommes devenus les spécialistes du décryptage des médias mensonges, attention médias, Libye, OTAN, médias mensonges. Et ces dernières années, nous avons également publié sur des thèmes très variés, les mythes de l'histoire, le Covid et les fausses stratégies, les nouvelles formes d'exploitation du travail, le climat, l'agro-business. Certes, nous avons développé la vidéo avec de nouvelles émissions, Mon Michel Midi et Le Monde vu d'en bas de Saïd Bouamama. Mais, j'en suis convaincu, il faut faire plus. Alors que la bataille fait rage entre, d'une part, notre droit à être informé et d'autre part, la censure classique des médias dominants, mais aussi la nouvelle censure des GAFA qui manipulent pour vous cacher les contenus dérangeants selon eux. Que voulons-nous renforcer sur InvestiAction ? L'analyse des stratégies. L'époque où les États-Unis dominaient le monde est révolue. On le voit tous les jours aux infos, les tensions de plus en plus grandes. Chacun de nous a donc un rôle à jouer pour éviter le désastre vers lequel on nous conduit, mais pour ça, il faut être bien informé. Parce que la guerre, sous toutes ses formes, a un énorme impact sur nos vies au quotidien. Migration, climat, sanitaire, terrorisme. Il faut le savoir, il faut le prévoir, le comprendre, pouvoir l'expliquer autour de soi. La géostratégie a toujours été un point fort d'InvestiAction, mais là, nous devons travailler davantage avec notre réseau international d'analystes pour bien vous informer sur les évolutions stratégiques fondamentales. En même temps, il y a un autre besoin. La manière de s'informer a beaucoup évolué. Vous êtes là, nous sommes là, tous sur le téléphone, à suivre l'actu pendant la journée. Smartphone, les téléphones sont intelligents. Ok, mais nous, recevons-nous une info intelligente qui dépasse l'anecdotique, le fast info superficiel? Chez InvestiAction, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre bonne vieille newsletter hebdo. Est-elle dépassée? Non, mais nous avons des projets pour développer également une info plus rapide, plus dynamique, facile à partager. Alors pour ça, nous devons renforcer la rédaction et donc nous avons besoin de vous, lecteurs. Car InvestiAction n'a pas de subsides, est garanti sans pub et restera entièrement gratuit. Nos seuls sponsors, c'est vous. Ce que je vous demande, c'est de m'aider à embaucher un nouveau journaliste temps plein. L'offre d'emploi est là, affichée sur le site InvestiAction et sur notre page Facebook. Ambitieux ? Oui, mais nécessaire pour vous apporter l'info dont vous avez besoin dans ce monde complexe, dangereux, où tout est fait pour diviser les gens et les dresser les uns contre les autres. Ce qui passe par ce que j'appelle la fabrication de l'ignorance. Cacher délibérément aux gens les informations et les analyses dont ils ont besoin pour comprendre ce qui se passe et pouvoir faire leur choix en toute connaissance, en toute conscience. Donc, je compte sur vous. Être bien informé, c'est fondamental. D'avance, merci.